déjà fait ça. Pourquoi tu as écrasé les martiens? Les amis, si vous aimez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao! Je tiens également aussi à remercier les derniers membres qui ont rejoint la chaîne. Merci du fond du cœur. Vos noms s'affichent ici comme promis. Et sachez que si vous souscrivez à un abonnement, si vous rejoignez la chaîne et que vous nous soutenez, vos noms seront dans la prochaine vidéo, comme je viens de le faire aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous un bon visionnage et faites attention à vous. Ciao! Allez les gars, allez, allez, allez! Salut Internet, c'est Kamoff. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie du petit Lucas. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. On a sorti une vidéo la semaine dernière où il se faisait emmerder par des grands. On vous met un petit extrait de suite et le lien est dans la description si vous n'avez pas vu la vidéo. Donne-moi ton téléphone. Non, j'ai pas. Donne-moi ton téléphone, on le sait que tu l'as. Non, j'ai pas. Donne-moi ton téléphone maintenant, prends-le dans les poches. Je ne veux pas. Je suis aussi en compagnie de mes frérots qui sont là. Au cas où, s'il y a un bruit, vous le savez. Tous leurs snaps s'affichent ici. Le snap du frérot, il s'affiche en dessous. Le snap du deuxième frérot, en dessous. Pareil pour le bambino. Et pareil pour le frangin, son snap. Non, oui, son snap. Son snap s'affiche en dessous. Bah, vous avez compris, tous les réseaux sociaux, ils s'affichent en dessous. Ça rend fou, il y en a, il n'a pas snap, bref. Bon, les gars, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... J'avais promis au petit Lucas de faire une vidéo avec lui. Et là, le petit Lucas, aujourd'hui, on va le faire passer pour un handicapé avec une PlayStation 5. Et on va voir s'il y a des gens qui sont susceptibles de lui prendre et de lui voler la Play 5, sachant que c'est un enfant et qu'il est en chaise roulante, donc handicapé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans un endroit où il y a du monde, il va rouler avec sa petite chaise roulante et on va voir la réaction des gens, s'il y a des gens qui vont lui voler, s'il y a des gens qui ne lui volent pas. Dans tous les cas, si quelqu'un lui vole la Play, nous, on ira ensuite attraper le ou les jeunes qui veulent lui voler et on leur donnera une bonne leçon façon Kamoff, comme on a l'habitude de le faire. Donc on va partir dans un endroit où il y a du monde. On va laisser le petit Lucas avec la Play et sa chaise roulante et on va voir la réaction des gens. C'est parti. Donc là, on est avec le petit Lucas qui est sur la chaise roulante. Il a la Play dans les mains. On va attendre, voir s'il y a des gens qui passent, s'il y a des gens qui réagissent, s'il y a des gens qui veulent lui voler la Play. Il y a beaucoup de passages, donc on va attendre un peu et on voit ce que ça donne. Ça va, Vincent? Ça va? Ça va et toi? Ça va. Tu te rappelles de moi, la dernière fois? Ouais. Au tennis et tout? Ouais. On joue ensemble? Ouais, je me rappelle. Ça va? Ça va. Tu fais quoi là? Rien. T'es tout seul? Tu veux que je t'emmène quelque part? Ouais, si je veux. Tu veux boire un coup? Ouais, si je veux. Ouais? Vas-y. Ils sont où tes parents? Ils sont pas là. Ils sont pas là? Non. Bonjour. Thomas, non mais reste loin, il va nous voir comme ça arriver, il va comprendre. Mais non, on se met bien derrière les gars, comme si... Normal, comme si on était entre nous, qu'on faisait rien de mal, tu captes pas? S'il fait une action bizarre, frère, il lui fait un truc de fou. Je pense qu'il va le prendre, il va l'amener quelque part où il y a des gueules pour pouvoir lui niquer la play. Parce que là, s'il la nique là, c'est obligé qu'il y en a un moyen. Il y a quelqu'un qui va boucher, oui. Allez à gauche, il a à droite, il a raison. Là-bas? Ouais, ouais. Comme ça, s'il passe par la droite, vous l'avez direct. Si je le perds de vue, moi, vous l'avez. Il va rentrer à quelle heure? Je sais pas, dans 2 heures. Attends, on a le temps de passer un petit moment ensemble. Ben oui. Il est où l'autre? Il est où? Il est parti à droite. Il est passé à droite. Vas-y, venez. Les gars, venez. Il va où ce fils de pute? Il est parti dans le cul-de-sac. C'est toi. Mais il galère. Il est où, frère? Tu me caches où? Thomas, reviens là! Tu m'as dit que tu voulais de l'eau? Mmh. Désolé pour toi, j'en ai pas. Pourquoi? Pourquoi t'as pas de l'eau? Tu m'as dit que t'avais de l'eau et à manger. Tu vois pas, je te prends pour rien. Vas-y, je te prends à la fin. Non. Et pourquoi tu veux me la prendre? T'as pas honte, je suis handicapé. Ah non, mais non. Là, je t'ai dit. Allez, on y va. Bon.
Allez les gars, allez, allez, allez. Ah, toi tu vas venir avec nous. Allez, viens. Viens. T'as pas honte? Oui, pas. Viens, viens, viens. Viens, 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 avance. Ta gueule avance. Ah, mais en plus t'es filmé, mon goulier. Vas-y, viens. On va discuter, toi et moi. Viens. Bon, je vais pas passer par 4 chemins. Parce que t'as l'air un peu paumé. Tu voulais aller où avec le petit là? Bah, je voulais l'emmener pour promener. Promener? Ouais. Pourquoi tu lui as pris la play? Qu'est-ce que t'as dit? Il t'a dit quoi? Il m'a dit je vais t'amener manger et boire, j'ai dit ok. Et après il m'a amené ici et il m'a pris la play, il est parti en cavalant. D'accord, donc en fait j'ai juste pris la play. Et tu vas... C'est comme un chien ici. Donc en fait t'as pas honte toi. J'ai... Mais pourquoi il est debout d'abord? Et il est debout pourquoi? Parce qu'il est pas handicapé. Mais... Le seul handicapé ici c'est toi, c'est pas lui. Non, t'es fatigué. Il était dans un fauteuil roulant. Et alors? Handicapé. Pourquoi? Il est pas handicapé. Et pourquoi vous avez une caméra en fait? Parce que ça fait une expérience sociale. Par contre, baisse d'un ton, je te l'ai dit d'entrée. Non, mais c'est bon. Je te l'ai dit, baisse d'un ton. D'accord, tu es en train de... Donc, je résume. Hein. Tu as pris un petit de 13 ans, handicapé, donc mineur, handicapé, pour... et en plus, tu le voles. Tu veux glisser ou c'est non, comment? Non, non, non. Dis-moi si tu veux glisser. Non, glisser. Non, non. Tu vas glisser dans tous les cas, tu le sais même pas, mais tu vas glisser. Non, non, pas le l'échelle. Tu as vu ce que tu as fait au petit, tu l'as fait tomber de la chaise et tout en plus. Ouais. Tu veux que je te fasse pareil? Non, bah non, mais tu veux que je te fasse glisser? Je veux pas. On va te faire glisser. Je veux pas glisser. Mais je te dis, moi, tu vas glisser. Comment ça? Tu veux que je te montre comment je vais te faire glisser? Vas-y. Ouais? Ouais. Allez. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tombe. Ah ouais, t'es un mec déterminé. Allez, allez, allez. Ah, là, c'est une belle pente, là. Là, c'est une belle pente, là. Tu vas rentrer chez toi comme ça, je te le dis. Allez, 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 pour l'handicapé, allez, allez. Et pour l'handicapé, allez, allez. Hé, qu'est-ce que je fais? Ah, tu vraiment, quand je dis que tu es un handicapé, pourquoi tu passes par là alors que tu peux passer? Tu es vraiment un sgeg, hein. Maintenant, on va faire simple. Je te laisse tranquille. Je te laisse partir. Uniquement si tu arrives à prendre dans tes bras l'arbre. L'arbre. Vas-y. Allez, vas-y. Allez, je sens que tu peux le faire. On dit café. Allez, enroule bien. Enroule bien. Oh, tes couilles de ça. Bien. Serre plus, plus. Serre plus. Ah non, 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 mais là c'est pas rigolo. Non, non, non. Le bas du tronc, c'est trop facile là. Le bas du tronc, si tu arrives à prendre dans tes bras, encore plus bas, plus là, bas. Le gros tronc, le gros tronc. Le gros tronc. Vérifie s'il arrive. Ah. Il arrive. Ah, c'est bon, c'est clipsé, gros. C'est clipsé. Allez. C'est parti, laisse pas vite. Allez. Petite décoration. Voilà. Voilà. Tu vois, au moins tu sais ce que c'est d'être immobile. Hein? Comme le petit que tu as volé. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle les flics? Je pense. Non, pas les flics. Bon, bah tu restes comme ça alors. Allez, ciao. Que les flics peuvent venir te détacher. Allez. Allez, ciao. Ciao, bonne journée. Et pour l'handicapé. Allez, allez. Et pour l'handicapé, allez, allez. Écoutez. Vous inquiétez pas, on va revenir le détacher, hein. On va pas le laisser comme ça parce que... Attends, venez, on lui fait croire qu'on se casse vraiment, comme ça il se chie dessus. Vas-y, vas-y. Tu entends crier? D'ici une demi-heure, on y retourne et on lui enlève tout et on le laisse partir. Bon les amis, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ne vous inquiétez pas pour lui, on va vraiment le détacher, c'est pas des conneries. Je remercie toutes les personnes qui sont présentes ici. Thomas, le frangin ici, le petit Lucas, le deuxième frérot qui est là, le bambino. Voilà, tous les réseaux sociaux des frérots, ils s'affichent ici. Et le petit Lulu, tu vois, la dernière fois, je t'avais dit qu'on ferait une vidéo ensemble. Et là, t'as vu, t'as carrément été la star de la vidéo. Tu es content? Ouais. Bon,
Ça fait plaisir en tout cas. N'hésitez pas à rajouter le petit aussi sur Instagram, ça fera gravement plaisir. En plus, c'est un petit bout de chou, il est gentil comme tout, c'est la famille. Et les frérots aussi, pour les remercier d'être là et d'avoir pu aider pour scotcher l'handicapé. C'est spécimen. Voilà, parce que lui c'est vraiment un handicapé, les gars. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne secondaire si vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà, grosse bise à tous et à bientôt. Ciao. Comment se faire enculer par l'arbre? C'est bon, c'est l'arbre qui t'a enculé, non? C'est pas une tournevis, ça va. Eh, tu vas le percer, gros. Non, je prends. Déjà qu'il est percé du cerveau. Allez. On va faire l'esquive, non? Non, on lui laisse. Ciao.